Moacir Skliar, à mes yeux le plus talentueux des écrivains brésiliens de cette sélection, incarne assez bien le mélange des origines si caractéristiques de son pays. Il est né en 1937 à Porto Alegre, capitale de l'état méridional de Rio Grande do Sul, d'une famille à la fois juive, syrienne et russe. C'est un fervent adepte de l'humour le plus noir, dont les éditions du Serpent à Plumes publient un savoureux recueil, Le Carnaval des animaux. Ce sont 25 petites histoires, pas seulement d'animaux, qui sont autant de contes moraux imperturbables et cruels. Skliar commence par régler son compte au roi des animaux. Une bombe atomique anéantit la totalité d'entre eux quand survient une guerre mondiale. Passons à la vache, un naufragé se nourrit à tous les sens du terme de l'une d'entre elles, mais elle se réincarne en une blonde somptueuse. Mieux encore, voici un chien perfectionné à la dentition en acier. Il vous débarrasse en un clin d'œil des importuns, débiteurs insistants ou épouses acariâtres. Quant à l'aveugle qui prétend reconnaître les voitures au bruit que font leurs moteurs, je ne vous souhaite pas de l'avoir comme témoin à décharge. Il se trompe sans arrêt.